Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 et l'erreur numéro 2 de la série de 6 erreurs à ne absolument pas commettre lorsque vous essayez pardon, eh bien, de présenter votre produit et lorsque eh bien, vous voulez connaître absolument votre produit et que si vous ne connaissez pas votre produit, vous n'allez pas réussir à présenter dans la meilleure des façons. Eh bien, c'est un peu contradictoire à la première erreur, c'est donc la deuxième erreur de savoir trop sur votre produit, de parler trop. Donc, vous devez savoir sur votre produit, mais vous ne devez pas parler trop. En fait, il faut comprendre que vous devez présenter et savoir absolument tout sur votre produit, mais vous ne c'est pas juste vous qui devez parler, d'accord? C'est-à-dire, si là vous êtes là, vous avez un client devant vous et vous présentez votre produit, voilà, pendant 15-20 minutes, et le client ne parle absolument pas. Vous faites un monologue. Et le problème, c'est quoi? C'est que vous n'allez même pas savoir si votre client écoute et a votre attention et qu'est-ce qu'il recherche exactement dans le produit que vous le présentez. Donc, c'est important donc, de savoir exactement sur votre produit, de parler, donc blablabla, de s'arrêter, de poser une question au client et de lui dire, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser. Parce que ça va vous aider, ça va vous aider à savoir si le client veut revenir sur un autre point qu'il n'a pas compris et également présenter ce produit de la meilleure des façons.